La Convention internationale des droits des personnes handicapées est là pour promouvoir, pour protéger et pour assurer surtout la dignité des personnes qui vivent avec un handicap. Et donc, par leur dignité, je veux dire par le respect de leurs droits, les droits fondamentaux de toute personne humaine. Donc, avec cette convention internationale, le contenu de cette convention, c'est ça que ça va servir pour les personnes handicapées. Ce n'est pas une convention qui vient changer la convention des droits de l'homme, la convention aussi des droits des enfants. Donc, c'est une convention qui vient définir concrètement comment mettre en œuvre les droits des personnes handicapées qui demandent certaines spécificités. Après l'avoir ratifié, c'est qu'il faut des textes de mise en œuvre qui doivent être préparés. Et à ce moment-là, il y a beaucoup de ministères sectoriels qui doivent s'impliquer pour que ces textes d'application puissent être préparés. La spécificité des personnes aveugles n'est pas celle des sourdes. Et ce n'est pas celle aussi des personnes handicapées physiques, handicapées moteurs. C'est-à-dire que les questions du handicap doivent être transversales parce que si on les approprie à une seule personne ou à un groupe de gens, ça ne serait pas très fiable. Les personnes handicapées rencontrent des difficultés d'ordre matériel suite à leurs limitations fonctionnelles, dis-moi par rapport au niveau de déplacement, au niveau de l'expression, au niveau de la communication, au niveau effectivement d'accéder aux services sociaux de base. Souvent, les personnes handicapées n'ont pas d'accès à l'emploi. Vous comprenez bien que l'emploi, c'est vraiment un secteur qui permet l'autonomisation d'une personne, qui permet la participation de la personne dans sa société. Donc, si on n'a pas l'emploi, si on n'a pas de revenus, tu es écarté du système. À la limite, ce n'est pas parce que vous êtes bien portant que vous êtes plus intelligent que cet handicapé qui est là. Donc, malgré tout, toute personne a droit à sa dignité, à ses droits d'être prise en compte, malgré sa situation, malgré son handicap. Et là, je pense que le pays devrait justement davantage s'atteler à revaloriser ces personnes, à leur donner les moyens justement d'être demain des personnes qui vont participer au développement. La personne handicapée au Burundi, c'était une catégorie de personnes qui avaient été marginalisées. Donc, de par les coutumes burundaises, de par nos traditions, c'est vraiment une catégorie qui a été longtemps négligée, de façon que on n'a jamais su, on ne voulait même pas savoir ce que représentent réellement les personnes handicapées au Burundi. La personne handicapée bénéficie plus de la charité que des droits. Ce qui veut dire que les citoyens burundais qui sont handicapés n'ont pas les mêmes droits que les autres personnes considérées entre guillemets comme valides. Aujourd'hui, on peut dire que les choses sont en train de changer tout doucement, mais jusque-là encore, il faut voir à quel degré les droits à l'éducation sont bénéfiques aux personnes handicapées. C'est vraiment très timidement. À la télévision, je vois le président de la République est en train d'inaugurer certaines infrastructures scolaires, mais je n'ai jamais vu inaugurer une infrastructure scolaire pour les sourds. On est en train de construire beaucoup d'écoles, mais il n'y a pas même une seule école pour les sourds. Comment est-ce qu'un sourd peut se développer alors qu'il n'y a pas l'école?
Peut-être vous allez me dire pourquoi moi j'étudie à l'université, mais c'est la chance et c'est l'effort personnel, mais ce n'est pas l'effort de la société ou bien de l'environnement. Si vous me demandez l'égalité avec les enfants voyants, je peux vous dire que ce n'est pas égalité. Parce que au Burundi, il n'y a pas le matériel approprié de métaux de braille. On ne fabrique pas comme les tablettes, les poinçons, les abacs, même la machine en braille adaptée pour les personnes aveugles. Selon la constitution burundaise, chaque citoyen a droit à la santé et une santé adaptée. Mais on se rend compte que chez une personne en situation de handicap qui se trouve en détresse, n'en reçoivent pas les soins adaptés à sa situation. Il y a certains services qui demandent la présence d'un interprète ou bien qui demandent ces prestataires de services communiquent en langue des signes. Donc l'accessibilité, nous manquons l'accessibilité dans certains services. Exemple, sur les services médicaux, si nous rentrons, nous avons un programme avec les docteurs, un rendez-vous avec les docteurs. Comment est-ce que nous pouvons communiquer avec un docteur alors qu'il n'y a pas de docteur qui connaisse la langue des signes? Tout ce que nous voulons pour les personnes handicapées, c'est que les personnes handicapées aient leur place évidente dans la communauté, dans la famille et dans la société. Comme vous le savez, le Burundi va entrer dans l'année électorale. On va commencer la campagne de propagande. Comme vous le savez, les partis politiques entrent dans la population, donnent leur programme à la population, mais les personnes sourdes sont toujours épargnées. Donc, elles ne sont pas toujours concernées parce qu'elles n'entendent pas. C'est obligatoirement de voter en tant que je suis le citoyen burundais. Mais ce n'est pas le moment facile pour voter. Si je demande mon épouse, ou bien si je demande mon ami ou mon guide, je ne suis pas très sûr qu'il va mettre le bulletin dans la boîte que j'ai voulu. Bon, si il y a sur la boîte, je peux dire donc l'écriture braille, les noms ou ainsi de suite, et moi-même, je peux toucher, je peux m'y mettre sans problème. Les personnes handicapées, si vous observez bien, n'ont pas accès aux droits politiques et civils. Parce que si on analyse les élections au niveau de l'Afrique en général et au niveau du Burundi en particulier, on voit que les systèmes du processus électoral ne prévoient pas la participation de la personne handicapée. Donc tout ça, ce sont des barrières qui ne permettent pas les personnes handicapées à jouir pleinement des droits. La Convention va nous donner une base juridique parce qu'il y a des articles déjà, il y a des articles liés à la communication, il y a des articles liés à l'accès à l'information, il y a des articles liés à l'accessibilité, il y a l'article 31 par exemple lié à la collecte des statistiques liées à l'handicap. Donc on aura une base juridique pour réclamer nos droits. À l'heure où je parle, il est très très difficile de dire combien de personnes handicapées et selon les types qui existent au Burundi. Pourquoi? Parce qu'on n'a jamais fait un recensement systématique des personnes handicapées. Le recensement qui avait été fait, je crois, en 2009, elle n'est pas vraiment exhaustif, mais avec cette convention, il est vraiment nécessaire, plus que nécessaire d'ailleurs, de faire d'abord ce recensement pour qu'on puisse savoir combien sont-ils, où sont-ils, et avec une catégorisation
des différentes sortes d'handicaps, parce qu'ils ne sont pas tous les mêmes. C'est ça qui va pouvoir aider nous-mêmes et le gouvernement à pouvoir assurer les services selon ces différentes catégories d'handicaps. Actuellement, les acteurs qui essayons de plaider même pour la cause de la personne handicapée, on sait très bien qu'il n'y a pas de chiffres fiables pour dire nous, on travaille réellement sur une population connue qui a des besoins connus et qui ont des problèmes connus. Quand on connaît les besoins, quand on sait nos besoins, éventuellement, il y a moyen de demander des financements auprès des bailleurs qui, quand même, quand ils ont une étude correcte, avec des chiffres bien à l'appui, avec les besoins qui sont là, même les acteurs vont pouvoir choisir, dire « nous, on peut vous aider dans ceci », l'autre dira « je peux vous aider dans cela » et l'autre… Donc, mais il faut que ça soit, que l'étude soit là et correcte. On ne peut pas se faire d'illusions. Le Burundi, sans appui des partenaires, ne sera pas capable de mettre en œuvre la convention. Et nous avons cet espoir que les partenaires vont appuyer le Burundi, étant donné que la base légale est en train d'être mise en place. Mais cette convention, nous souhaitons que des textes d'application puissent être préparés en concertation avec les organisations qui travaillent dans le domaine des handicaps et que la mise en œuvre puisse avoir lieu. Et pour que ce document ne soit pas un document qui va constituer seulement des archives qui restent dans les tiroirs sans être mises en œuvre.